Il devrait les retirer pour les rank inférieurs. 5, 6. Non, il devrait retirer. Pas pour... Non, Castor. Pas pour une question de rank. Il devrait retirer le Morito court. T'imagines, tu trouves ça juste, toi, d'être en bas rank et de taper des tueurs qui mourent? Et d'être en red rank et de pas avoir des tueurs qui mourent? Non, c'est pas juste. Qu'est-ce que je veux dire, mon poulet? C'est pas juste. Si le, si le Mori est retiré, du coup, pour un rank, tout le monde va faire en sorte d'être dans ce rank-là, tu vois, justement, pour pas avoir les Mori. Ça va déséquilibrer le jeu complètement. Il faut que le tueur, il faut que... Si le Mori est retiré, il faut que ce soit de manière générale, vraiment. Cookie! Merci pour le follow, Cookie! Mais merde, mais y'a trop de monde là, sans déconner! Mais y'a trop de monde! Je vois une Kate, je vois une petite Claudette, mais y'a du monde partout! Moi je sais plus où aller! Comment vas-tu, Angel? Ça roule ou quoi? Tu vas bien? Vous allez bien? À un moment que je t'ai pas passé. Ça roule ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes de beau, mon poulet? Allez, go réparer le gène qui est là. Non, c'est pas grave. Qu'ils viennent sur moi, c'est bien au contraire. Il y a quand même qui joue fair play malgré le Mori, non? J'en vois pas beaucoup. Bah, disons que Mori et fair play ensemble, c'est compliqué. J'ai du mal à... J'ai du mal, en fait, à... avoir le rapprochement entre les deux poulets. Pour moi, quand tu joues Mori, non, généralement... Je joue pas très fair. Until. Merci à toi, mon poulet. Un grand merci, Until. Merci beaucoup, merci pour ton troisième mois. Merci à toi, mon poulet, ça fait grand plaisir. Qu'est-ce que je raconte de beau? Rien de spécial. À part mes 3 mois. Un grand merci à toi, Andil. Merci beaucoup, merci pour ton soutien, mon poulet. Ok, il a son pouvoir. Et il s'en va, c'est cool. On va pouvoir des hooks. Face à des tueurs comme ça, il faudrait vraiment que je reprenne, nous y arriverons. Hop, salut Keturo, tu vas bien? Ouais, c'est compliqué, tu vois, de dire qu'un tueur qui mourit, il peut jouer fer. Oui, en soi, il peut avoir tout un gameplay en étant fer, tu vois, genre ne pas back sur la save en permanence. Ne pas tunnel, ne pas camper. Mais si derrière ça, bah, si joue bien, mais que derrière ça, bah, il mourit dès le début de la game, bon, pour moi, c'est... ça efface tout ardoise, c'est ce que je veux dire. Ça efface tout, toutes les bonnes actions, tu les effaces. Parce que le mec il te mourit, il te tue au bout de 2 minutes de game. Non. T'as beau jouer fer, si tu mourris un survivant dès le début de la game, c'est pas beau. Ok, il a tapé son générateur en bas, nice. Il m'a revu. Moi je pense qu'il est descendu dans le trou. Non, il est là-bas en fait. Sur David, notre ami. Il faudrait que je termine mon générateur dans la cave. Vraiment. Il arrive sur moi ou pas? Oh, pas plus seul. Cool.
Ok, cool, 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 cool. Impec, l'autre s'est fait relever, c'est nice. C'est nice. L'autre s'est fait relever, c'est cool. Vas-y, reste sur moi, reste sur moi. La palette ici a été cassée. Il y a une palette là-bas? Ah ouais? Ok, cool. Bon, le problème c'est que je suis en train de le feed là, il est en train de récupérer du sang sur moi. Le loop est trop petit, je vais t'en baisser. Non, c'est trop, c'est une zone toute petite là, c'est quoi ce loop? C'est n'importe quoi. Ça c'est des loops, ouais. Ouais. Dommage, dommage, je suis dégoûté de tomber sur ça. Mais là c'est... La zone est toute petite, du coup c'est compliqué de le bait. Faudrait que je m'entraîne sur des petites zones comme ça, même si... Je sais pas s'il y a moyen de s'entraîner. Moi je suis content en tout cas que David a réussi à se faire relever. Je sais pas s'ils ont terminé le générateur qui est juste en dessous là dans la school. Et merci à toi Ori, merci pour le follow. Bienvenue mon poulet. Salut Monkey, tu vas bien? C'est qui le tueur? On affronte Loni là actuellement. Ça veut dire quoi Mori? Un Mori en fait c'est un memento. En gros, quand tu accroches un survivant, la prochaine fois que tu tomberas sur lui et que tu donnes le survivant, tu peux le tuer sur place. T'as pas besoin de le réaccrocher une deuxième fois, ni une troisième fois, tu peux le tuer directement. Voilà. Il fait quoi ce tueur hein? C'est un tueur qui one-shot en fait, quand il t'attaque, tu perds du sang, il récupère le sang comme un Pac-Man. Il y a des petites particules de sang qui flottent dans les airs. Il les récupère comme un Pac-Man, tu vois. Et une fois qu'il en a récupéré suffisamment, il peut déclencher son pouvoir. La fureur sanglante, c'est ça, je crois. Du coup, il peut courir super vite sur la map comme un billy, sauf qu'il peut heurter les objets sans être stun. Il peut one-shot du coup avec, avec son gourdin. Là, je te fais un petit résumé du tueur. Voilà, c'est Looney Pac-Man quoi, un vampire. C'est un Pac-Man qui te vampirise en gros. Ouais, ouais, c'est ça. Il pique ton sang pour devenir plus puissant. Ouais. Bah, c'est une sale bait. Non, il est fort, Looney. Quand il est bien joué, il est très fort. C'est un tueur qui slug. T'es obligé de slug avec Looney en fait pour avoir. Ah, t'es obligé. Ouais, t'es obligé. Tu slug un minimum pour avoir, on va dire. Le contrôle de la game quoi. Salut Anaïs, tu vas bien? Coucou Kelly, ça va super et toi, tu vas bien? Salut Zender! J'ai vu que tu jouais à Super Mario 64. Tu fais des sessions rétro quelquefois? Ouais. Ce week-end en fait, normalement j'étais pas censé streamer et j'avais envie du coup d'attaquer... j'avais envie de faire un live hors programme. En mode chill. Je me suis dit, écoute, je risque rien, c'est hors programme de toute façon, donc c'est pas grave. Voilà. C'est vraiment en mode ambiance familiale. Et donc ouais, on a fait un live sur Super Mario 64, c'était trop cool. Vous étiez super nombreux d'ailleurs, merci à vous les amis. Merci d'avoir été aussi nombreux, on a été entre 60 et 70. Je m'attendais pas à ce qu'on soit si nombreux sur du Mario 64. On a redécouvert ce jeu qui est juste trop bien quoi, c'était vraiment super cool. Donc ouais, du coup, carrément mon cher Anzil, on est amené à faire ouais, des... Attention en vrai hein, on est sur une chaîne horror gaming, mais je m'ouvre à faire du multigaming. Hein. On fait 25% de multigaming et 75% d'horror gaming. Donc après, oui, ce genre de petites sessions. T'inquiète pas qu'on en refera, mon cher Anzil. Alors, on a fait Mario 64, du coup on retournera pas dessus. Mais pourquoi pas se faire un petit Banjo-Kazooie à l'occasion, un petit Zelda Ocarina of Time, ou un petit DK 64, tu vois. Ça pourrait être cool. Voilà, faut qu'on avance. Elle a le temps. J'avance un peu avec toi et j'y vais. C'est bon, elle est là. Je prends l'aggro et je... J'aimerais bien prendre l'aggro en fait. J'y vais en mode discret. Il a peut-être un... Vas-y, vas-y, Deouk. Il a peut-être un truc en fait pour sonner plus vite. Moi j'ai pas nous y arrivons, du coup je laisse Deouk, je m'en fous des points de toute façon. C'est pas ça qui va changer. Grand chose. Non, il l'a pas du coup. Il l'a pas. En vrai, le tueur aurait été dans les parages. J'aurais forcé le déhook. Du coup, pour avoir Boro au cas où. Mais le tueur joue faire, donc y a pas de problème normalement. Mais là, je préférais laisser l'avantage à David. Il avait peut-être nous y arriverons. On aurait peut-être soigné super vite. En préféré sur Nintendo 64, sûrement Zelda Ocarina of Time. J'ai aussi pas mal joué à Banjo-Kazooie. Bah, deux jeux qui sont juste. Juste extra quoi. Là, tu viens de citer les deux meilleurs jeux de Nintendo 64. C'est vraiment, pour moi c'est là, tu viens de citer ouais, les deux meilleurs jeux de la Nintendo 64. Avec Mario 64 bien sûr et DK 64. Ah la vache. Je fais n'importe quoi. Je pensais vraiment qu'il était parti, en fait on s'est croisé. On se croise juste là à l'entrée du bâtiment. Je le vois partir, du coup je me dis il s'en va, non non il revient.
parce qu'il y avait la save à côté. Il a contrôlé sa save. Merci beaucoup, ma chère Drea. Un très grand merci. Merci à toi. Merci pour ton sixième mois. Change rien, je m'amuse à chaque fois. Merci pour tous ces lives. Merci à toi. Merci pour ton soutien, ma chère Drea. Comment vas-tu? Salut, le J-Boy. Ça va et toi? Tu vas bien? T'as une chaîne YouTube? Ouais, d'ailleurs, merci les amis. La chaîne YouTube commence à monter, ça fait extrêmement plaisir. On est passé à 460 subs. Alors, vous dites comme ça, ça fait pas beaucoup. Mais je vois la chaîne YouTube monter petit à petit et ça me fait super plaisir, quoi. C'est super cool en tout cas, merci à vous tous. Merci à vous. Je mets une vidéo par semaine seulement pour l'instant. Parce que... je préfère faire pas beaucoup que faire trop et plus rien faire après. Vous voyez ce que je veux dire? Je me vois pas mettre 3 vidéos par semaine et puis un jour zapper et pas mettre de vidéos du tout, quoi. Donc là, il n'y a qu'une vidéo par semaine, mais on passera peut-être à 2 vidéos par semaine bientôt. Il y aura également du coup le let's play de Until Dawn. Ouais, il y aura le let's play de Until Dawn qui sera bientôt disponible sur YouTube. Et Resident Evil 3 aussi. Resident Evil 3, je m'y prends peut-être un peu tard. Oh, on le mettra, ça coûte rien, mais bon. Salut Deck, ça va et toi poulet? Comment vas-tu? Ok, on a 2 décès, on est dans la merde, hein, vraiment, tu sais, Kate, là on est foutu. On avait un bon avantage sur la game et c'est parti en couille. À la fin, je vais pas dire qu'il a camp à la fin, mais... disons que moi j'étais là, j'étais ici, lui il était là, on s'est croisés, il m'a pas suivi dans le basement. Il y avait Claudette qui était accroché là, je suis arrivé là et on s'est regardé à nouveau. On est foutu là, ça va être très très compliqué là de remonter le gène. Il est où d'ailleurs? Il est juste là. Ouais. Ça va être compliqué, hein. Il joue avec surcharge. Il back. Donc son pouvoir dure super longtemps, hein. Allez, viens sur moi mon pote. Allez, je vais prendre l'aggro en espérant que Kate soit en train de faire le générateur. Y'a rien par ici, hein. Oh, il attrape là. Ok, on va faire un tour par ici. On a trouvé la trappe qui est dans la cabane du tueur, du coup. Ça, c'est cool. On va le réappeler. Je le rappelle. Viens par ici. Il va pas venir. Ah, il a trouvé ma pote. Non, putain. Je sais pas s'il a vu par contre qu'il y avait la trappe dans la cabane. Oh putain. Oh putain. C'est bon, tu viens sur moi, tu décides de venir sur moi. Le petit coup. On l'appelle. Pardon, je suis désolé, ça va aller ? Par ici. Oh, on va jeter les palettes, c'est pas grave. Et t'avais pas récupéré ton pouvoir, mon pote? Ok, vas-y, go. Bon, là, c'est le endgame, hein, donc autant s'amuser. Hein. Autant jeter les palettes, hein, c'est pas... Là c'est marrant de voir que sur un endgame en fait on le fait plus galérer que pendant toute la game. Là on le fait galérer sur le endgame, on peut limite terminer le dernier générateur, quoi.
C'est là je l'ai saoulé, il va même plus revenir sur moi quoi. Alors qu'il lui reste deux survivants quoi, il a. C'est. Il veut pas, il boude. Ça y revient. Allez vas-y, je t'attends. Là il fait le tour, il m'attend de l'autre côté, il a pris le trou. Voilà. Il est perdu hein. Deux survivants, il n'y arrive pas. Là vraiment, je sais pas ce qu'elle fait ma pote par contre. J'aimerais bien qu'elle... J'espère qu'elle bosse sur le gène, ça serait cool. Ça serait cool. Eh salut Pierrot, tu vas bien? Salut Katsuki. Perso je déteste cette map. Elle est pas évidente mais je trouve qu'elle est équilibrée en fait. Je trouve qu'elle est équilibrée, c'est-à-dire que t'as des zones en fait... T'as la zone extérieure qui permet en fait... à certains tueurs d'avoir un contrôle sympa du terrain. T'as des zones intérieures qui peuvent être pénibles pour le tueur, mais au final ça va, je trouve que c'est quand même assez équilibré comme map. Même s'il y a des zones de loop qui sont pénibles quand t'es tueur, effectivement, ouais. Voilà, il n'y a plus de palette hein, par contre, donc ça va être compliqué de se défendre. Ça serait... eh, franchement, je vais tenter de trouver une clé. Si j'arrive à trouver la clé, putain, ça serait trop cool. C'est toujours dans les moments où on n'a pas besoin de clé qu'on en trouve une et... inversement, c'est à chaque fois comme ça. Salut mon cher Bidor, ça roule comme en poulette, tu vas bien? Putain, je trouve une flashlight. Ah non, je trouve une flashlight, bordel. On a du coup la quête qui est en train de se faire poursuivre actuellement. Regardez, regardez cette trappe qu'on peut pas ouvrir. On peut pas ouvrir la trappe. Ah, t'es sérieux? Non mais je l'avais là, non? Vas-y, décède vide. Merci mon pote. Incroyable. Merci pour ta générosité, vraiment. Je te remercie Loni. Merci à toi, c'est super cool. Oh sérieux quoi. Eh ben voilà, c'était cool. Petite balade avec Loni sur Springwood. Non, je vais pas dire thanks for... Non, je vais pas le trigger, ça sert à rien. Je vais juste envoyer un GG. Hein. Je vais pas envoyer... Non, je vais pas le trigger. Bon, elle était drôle, cette game. Elle était drôle.